attention à toutes les forces de police. Assurez-vous de sécuriser les lieux et d'en interdire l'entrée à toute personne étrangère au service. Je sais bien que ça a l'air fou, mais je vous assure que c'est vrai. Moi, je vous le dis, la police ne va jamais nous laisser entrer. Tout ce voyage pour qu'on nous ferme la porte au nez. Je vais descendre et leur demander de nous laisser entrer. Mais Marc, t'oublies que l'entraîneur nous a dit d'attendre ici. Allô, Peter ? C'est très urgent. Vous pourriez me passer mon père, s'il vous plaît ? Désolé, mais on ne peut pas vous laisser entrer. Oui, j'écoute. Une équipe de football dans un bus. Oui, ils sont là. Quoi ? Qu'on les laisse passer ? Oh ! Oh ! On a de la chance d'être entrés ! Oui, c'est bon, papa. On est entrés. Merci de nous avoir aidés. Pour un président de conseil d'administration de collège, il a le bras long, ton père. C'est horrible ce que ces extraterrestres ont fait. Satané Academy Alius, ils ne perdent rien pour attendre. Vous en faites pas, on finira par leur rendre la monnaie de leur pièce. Ouais ! Kidnapper le premier ministre Vanguard. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien mijoter ? Contre les joueurs en noir. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jack? D'où ils viennent les joueurs de l'Académie Alius? Alors ça, aucune idée. Il faut qu'on trouve. Parce que, tu comprends, si on arrive à analyser leurs mouvements, on sera capable de prévoir leur prochaine attaque. Bon, tu vas avoir la chance d'être le premier à écouter mon hypothèse. Les joueurs de l'Académie Alius se déplacent extrêmement rapidement, comme si la gravité de la Terre n'avait aucune prise sur eux. C'est pour cette raison que j'en suis venu à la conclusion que non seulement cette planète se trouve très loin de la Terre, mais qu'elle est soumise à une très grande force de gravité. Mais alors, si c'est le cas sur leur planète, ils doivent tous être aplatis comme des crêpes, non? Tu en veux une, d'ailleurs? Mais enfin, Jack, je te rappelle qu'on n'est pas venu ici en touriste faire un pique-nique. Oh. Ah, un extraterrestre! Oh, Jack, où est-ce que tu es? J'ai trouvé quelque chose. Oh. Mais c'est impossible. Comment font-ils pour le soulever comme s'il ne pesait rien? Que personne ne bouge. Cette fois, on vous tient. Vous ne nous échapperez pas, extraterrestre. Quoi? C'est à nous que vous parlez? Où est donc le Premier ministre? Qu'en avez-vous fait? Où l'avez-vous emmené? Mais non! Attendez, vous faites erreur. Chut, on se tait! Voilà la preuve que vous êtes des extraterrestres. Vous avez un ballon noir. Quoi? Mais non, il n'est pas à nous, monsieur. On l'a trouvé au fond de l'étang. Joue pas au plus malin avec nous. Mais c'est la vérité. C'est quand même étonnant que les policiers qui gardent l'entrée ne leur aient pas dit qui nous sommes. En même temps, ils ne nous ont rien demandé. Nous sommes des agents des services secrets, nous assurons la protection du Premier ministre. Eh bien, c'est pas parce que vous êtes des agents des services secrets que ça vous donne le droit de nous traiter d'extraterrestres. Où sont-ils, ces extraterrestres? On est là. Sauf qu'il y a erreur, on n'est pas des extraterrestres. On est les vainqueurs du tournoi Football Frontier. On vous attrape avec une preuve irréfutable et vous continuez à nier que vous êtes des extraterrestres. Mais combien de fois il va falloir vous le dire? Il n'est pas à nous ce ballon. On n'est pas des extraterrestres, ok? Ouais, écoutez notre capitaine, il dit la vérité. Non, mais vous m'avez bien regardé. J'ai une tête d'extraterrestre, peut-être. Maintenant, vous arrêtez de nous suspecter. Eh bien, c'est justement de vous voir nier aussi énergiquement qui vous rend suspect. Si on vous dit qu'on n'est pas des extraterrestres, c'est qu'on n'en est pas. Ah oui, eh ben moi je crois que si. Eh ben moi je crois que non. Moi je crois que si. Et moi non.
Très bien. Puisque vous refusez de l'admettre, on va vérifier ça sur le champ. D'accord, on fera ce que vous voudrez. Pourquoi on doit leur prouver en jouant au foot? Aucune idée, mais d'un autre côté, ça ne vous fera pas de mal. Hein? Je suis curieuse de voir comment se débrouille notre équipe pour jouer contre des adultes. Je sais que ce sont des adultes, mais ne vous laissez pas impressionner. Rappelez-vous que sur le terrain, nous sommes tous des footballeurs. Ouais, on va leur mettre des buts les uns après les autres. Mais il va quand même falloir faire attention, parce qu'ils sont plus résistants que nous. Faudra bien contrôler notre rythme de jeu. Moi, le problème que je vois, c'est surtout qu'il nous manque un joueur. T'en fais pas. Je suis sûr qu'à nous tous, on va compenser le joueur qui nous manque. Oui. Est-ce que quelqu'un sait comment nos adversaires jouent au foot? Trouvé l'équipe des services secrets. Le premier ministre est tellement fan de foot que les gardes du corps qu'il a embauchés sont tous d'excellents footballeurs. Quoi? Si je comprends bien, ils font leur préparation physique en jouant au foot. Et comme si ça suffisait pas, il fallait en plus que ce soit des adultes. Dis Jack, tu sais toi comment on doit jouer contre cette équipe? Non, aucune idée. Mais coach, vous avez peut-être un conseil? Ben, pour commencer, vous n'avez qu'à jouer comme vous le sentez. Quoi? C'est un conseil, ça? Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai l'impression que notre nouvel entraîneur veut nous voir jouer pour savoir de quoi on est capable. Oui, mais c'est normal, c'est son premier match avec nous. Vous savez quoi? J'ai une idée! Si on décidait nous-mêmes de la tactique de jeu à adopter. D'accord, alors quelle formation on va utiliser à seulement 10 joueurs? Je pense qu'il faudrait renforcer la défense. Non. Au contraire, je crois qu'il vaut mieux renforcer l'attaque en plaçant Nathan et Bobby en milieu de terrain. Tu veux qu'on passe en formation offensive? Dans ce genre de rencontre, l'essentiel, c'est de marquer les premiers. Ah, je vois. Si on se concentre sur la défense, ça nous laissera moins de possibilités de mettre un but. Oui, exactement. Mais si nous, on veut pouvoir se focaliser sur l'attaque, on va devoir vous laisser défendre le but tout seul. On peut compter sur vous, les gars? Très bien. Allez, les gars, motivés! Ouais! Ouf, j'arrive juste à temps. Mais qu'est-ce que tu fais là, Chester? Là où l'équipe de Raymond dispute un match père ou fils, il y a toujours un Chester Horse pour le commenter. Le match est sur le point de commencer. Ça y est, c'est le coup d'envoi. Kevin Dragonfly traverse le camp adverse à toute vitesse. C'est pas mal. Attention, ils arrivent, file indienne. À vos ordres. File indienne. Ah, quel dommage. Les défenseurs de l'équipe des services secrets ont stoppé net l'attaque de Raymond. Ah zut, c'est pas de chance, ils ont une excellente défense. Ils protègent leur camp en se servant de leur corps comme dans les méthodes de protection rapprochées. Zone analytique. Allez, vas-y, Kevin, en avant. Chasse des dragons. Arrêt de sécurité. Bon sang. Ça ne va pas être si facile que ça de passer leur défense. Allez, vite, à l'attaque! C'est maintenant au tour de l'équipe des services secrets d'attaquer! Nathan, occupe-toi d'eux! Encore toi, l'extraterrestre! Je suis humain, je te dis! Ah ouais? Eh ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite! Ah ah. Quoi? Mais c'est impossible! Vite, faut les arrêter! Vous ne passerez pas! Maintenant! Danse! Monte! Oh, oh. Oh. Artilleur acrobatique! Point explosif! Mouah.
un super bon joueur, Mark. Même les adultes n'arrivent pas à marquer contre lui. Bon, j'ai vu ce que je voulais voir. Prenez-vous ça ! Choc ! Je dois l'en empêcher. Tu es bien naïf si tu croyais marquer extraterrestre. Ils jouent bien, ils sont très doués. La première mi-temps touche à sa fin. Il ne reste plus beaucoup de temps, mais les joueurs de Raymond continuent d'attaquer. T'es venu recevoir une nouvelle leçon? L'arbitre siffle la fin de la première mi-temps. Le score est toujours de 0 partout. Alors, qu'est-ce que t'en dis, l'extraterrestre? Pas mal comme début de match, hein? Mais... Kevin? Hein? Tu t'en es vachement bien sorti. Pendant la deuxième mi-temps, continue d'attaquer. Ok, compte sur moi. Bravo les garçons! Jusque-là, vous avez vraiment assuré. Continuez comme ça, d'accord? Je ne pensais pas que vous puissiez si bien jouer face à des adultes. C'est vrai, oui. Je pense même que vous pouvez gagner. Mais bien sûr qu'on peut gagner. Les garçons, écoutez-moi. Voilà mes instructions pour la deuxième mi-temps. J'ai décidé que jusqu'à la fin du match, Kevin, Nathan et toi, Jack, vous allez tous les trois rester sur le banc de touche. Quoi? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Les autres joueurs, vous allez compenser le fait de ne jouer plus qu'à 7. Allez, on se motive. Et je peux savoir pourquoi je dois sortir du terrain? Pardon, mais je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. L'équipe est déjà dans une situation assez délicate. C'est parce que je n'ai pas réussi à arrêter leurs attaquants? Ce changement va nous permettre de gagner. Un instant, s'il vous plaît. On ne peut pas jouer de cette façon. Au contraire, grâce à ça, vous allez pouvoir développer votre jeu. Mais enfin, coach! Assez discuté, la seconde mi-temps va commencer. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Où elle est allée chercher ça? Dites les gars, vous êtes sûrs que cette femme s'y connaît en football? Écoutez, à partir de maintenant, il va falloir se battre de toutes nos forces. Parce qu'un joueur qui se donne à 300% sur le terrain, c'est comme s'il valait 2 ou 3 joueurs. C'est d'accord, les gars? Quoi? Incroyable! C'est à n'y rien comprendre! L'équipe de Raymond est revenue sur le terrain avec seulement 7 joueurs! À quoi vous jouez? Vous vous moquez de nous ou quoi? C'est notre tactique de jeu. Avec leur changement, ils mettent en l'air toute notre stratégie. Maintenant, on ne peut plus prévoir ce qu'ils vont faire. Oui, mais ça peut aussi tourner à notre avantage. Désormais, on va les attaquer sans relâche. Entendu. Vous croyez que ça va bien se passer? Bien joué, continue comme ça, Jude. Oh. Il y a une faille dans leur défense. Oh. Axel, monte à l'attaque. Jude, ça va? Oui, mais ne t'occupe pas de moi, concentre-toi uniquement sur tes cages. Les joueurs de Raymond ont la maîtrise du terrain. Ils sont partout à la fois. Ils sont obligés de se déplacer avec une grande coordination pour pallier au manque de joueurs. C'est étrange, le match n'a plus rien à voir avec la première mi-temps. C'est comme si tout nous réussissait. Comme on les écrabouille maintenant, trop drôle. Les filles, qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi faire? Préparez-leur des poches de glace, voyons. Hein? Mais enfin, pourquoi vous n'avez pas dit plus tôt que ça vous faisait mal? Bah, c'est parce qu'au début, c'était pas aussi douloureux que ça, en fait. Et puis, on n'était que 10 joueurs, l'équipe ne pouvait pas se permettre d'en perdre encore un. Et aussi, on se devait de se battre jusqu'au bout pour nos coéquipiers qui n'ont pas eu la chance d'être là aujourd'hui. Ah! J'ai l'impression que Jude commence à me comprendre, n'est-ce pas? Hein? Je ne me rendais pas compte qu'ils étaient si fatigués qu'ils ralentissaient le jeu. Maintenant qu'ils ne sont plus sur le terrain, ça va être plus facile de donner de la dynamique. Et bien sûr, elle les a sortis du terrain parce qu'ils étaient à bout de force. Du coup, nous croyant affaiblis, nos adversaires se précipitent en attaque, créant des failles dans leur défense. Voilà qui est intéressant. Alors c'est pour ça que vous avez décidé de les obliger à jouer à 7?
C'est ce que j'aime chez Jude Sharp. J'étais sûre qu'un footballeur comme lui serait capable de tourner à notre avantage le manque de joueurs sur le terrain. Le match touche à sa fin. La quête des deux équipes va pouvoir arracher la victoire. Les joueurs du Collège Raymond se donnent à fond pour gagner. Mais à se démener ainsi, ne court-il pas le risque de s'épuiser et de finalement perdre? Où tu crois aller comme ça? T'inquiète, Marc, je suis là! Alors là, tu rêves! Tir de sécurité! Ils vont marquer! Non, Marc! Attention, Marc! Qu'ils viennent! Il passera pas, je défendrai mes cages coûte que coûte! Main... magique! Il a réussi! La main magique à la perfection! J'y suis arrivé! Mais quel arrêt! Aucun tir n'est assez puissant pour surpasser la main magique! Incroyable! Dépêche-toi, Marc! Il ne reste plus beaucoup de temps! Jude, c'est notre dernière chance! Oui! Allez, Eric! Sommes-nous en train d'assister à la dernière occasion du match? Les joueurs ont adopté la position du phénix! Ils ne passeront pas! La tour! Alors là, tu rêves! Ballon illusoire! Axel, à toi de jouer! Tornade de feu! But! Et l'arbitre siffle la fin du match! L'équipe de Raymond a remporté ce duel en marquant un but à la toute dernière seconde! On a réussi! Génial, t'as vu la place en feu! Avec cette équipe, on pourrait peut-être... Ouais, on a fini par gagner! Nous avons perdu. Je vois que Raymond n'est pas la meilleure équipe du pays pour rien. Attends, tu viens de dire Raymond, là? Oui, je le savais depuis le début. Qui ne connaît pas l'équipe Raymond? Vous avez quand même remporté le championnat Football Frontier. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Tu peux m'expliquer ce que ça signifie? Quoi? La fille du premier ministre? Eh ouais, t'as l'air surpris. Je veux libérer mon père des griffes de ces extraterrestres. Mais pour ça, je vais avoir besoin des meilleurs coéquipiers possibles. Et c'est pour cette raison que tu nous as obligés à jouer contre vous. Ouais, désolé, mais je voulais vous mettre à l'épreuve. T'inquiète, ça ne fait rien. Ah. Maintenant, je sais que vous êtes capable de battre l'Académie Alius. J'aimerais jouer à vos côtés si tu es d'accord. Je veux aider à sauver mon père. Oui, avec plaisir. Pas vrai, les copains? Ouais! Merci, c'est gentil. Marc, je m'appelle Marc Evans. Enchanté, mademoiselle, c'est quoi ton nom déjà? Moi, c'est Victoria Vanguard. Mais tu peux m'appeler Tori. D'accord. Eh bien, ravi de te connaître, Tori. Habitants de la Terre, c'est l'Académie Alius qui vous parle. Oh. Nous arrivons de l'espace. Janus. Et si nous sommes venus sur votre planète, c'est pour vous montrer l'immensité de notre pouvoir comparé au vôtre, les Terriens. Mais rassurez-vous, pour ça, nous n'allons pas commettre d'actes barbares. Nous allons simplement vous affronter sur votre propre terrain dans un match de football. Pour vous démontrer une fois pour toutes que vous opposer à nous ne servirait à rien. C'est pas vrai, ça. Où est-ce qu'il se cache, bon sang? Comment? Vous en êtes sûr? Ah! Hein? Alors il n'y a pas de doute. La retransmission vient des studios de la chaîne Nara TV, c'est à Deerfield.
avoir retrouvé les extraterrestres dans une chaîne de télévision de Deerfield, nous voilà à nouveau confrontés à eux. Espérons que notre entraîneur trouvera une tactique pour les vaincre. Rendez-vous au prochain épisode, la menace de l'Académie Alius. Ça, c'est du sport.